Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur Gabon 24. Voici les titres. Au Gabon, Libreville, capitale de l'eau et des forêts, une réunion d'experts du Conseil des ministres africains chargé de l'eau et une autre des experts du bassin du Congo se tiennent actuellement à Libreville. Objectif, améliorer l'accès aux services liés à l'assainissement et à l'hygiène et identifier la priorité de la conservation et la valorisation du bassin forestier du Congo. En Côte d'Ivoire, c'est visiblement le retour au calme. Après plusieurs jours de révolte des anciens rebelles incorporés dans l'armée, ils continuent de réclamer des primes. Il s'agit d'un calme précaire car certains rebelles ne reconnaissent pas l'accord annoncé par le ministre de la Défense. Et puis en Europe, les pays membres de l'Union européenne sont divisés. Les questions d'accueil et de l'asile des migrants, la Hongrie et la Pologne sont pointées du doigt et risquent des sanctions. En France, des militants sont convoqués devant des tribunaux. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le Conseil interministériel de ce mardi, qui a réuni un nombre important de ministres sur la question de la relance économique du pays, dans cette réunion préparatoire, ils ont ensemble travaillé sur les mécanismes de cette relance, notamment sur les 5 objets de réforme prioritaires qui englobent 23 projets. Écoutons un extrait des propos du Premier ministre Emmanuel Issozengonde. Ce plan démontre, s'il en est besoin, l'engagement du gouvernement à conduire les projets prioritaires suivant les différentes programmations contenues dans le document de cadrage budgétaire élaboré pour la circonstance. J'ai souhaité que le plan de relance économique, comme je venais de le dire, soit préparé de manière participative, afin bien sûr de susciter la pleine adhésion de l'ensemble de l'équipe gouvernementale. C'est le sens à donner à ce troisième conseil consacré uniquement à cet objet. Les principales orientations données à cette démarche vont assurément aider le gouvernement à assainir les finances publiques et à les asseoir sur une trajectoire durable. Je vous le disais en titre, une réunion d'experts du Conseil des ministres africains chargés de l'eau s'est réunie actuellement à Libreville. Le but de cette rencontre, renforcer les engagements issus de la 4e conférence régionale africaine SAN de Dakar en 2014, visant donc l'amélioration de l'accès aux services liés à l'assainissement et à l'hygiène. Chimène Sandra Singon et Jospin Momadienga. La mise en place d'une équipe de réflexion dans le domaine de l'assainissement de l'eau est l'un des objectifs visés par les experts du Conseil des ministres africains chargés de l'eau, AMCOI, qui se réunissent à Libreville depuis ce 15 mai. Nous sommes en train de mettre au point un task force, une équipe de réflexion pour AMCOI dans le domaine d'assainissement. Et ce task force a le rôle primordial de renforcer les capacités de AMCOI dans son rôle d'améliorer les politiques et les stratégies d'amélioration de l'assainissement sur le continent africain. Au cours de ce conseil, les experts vont mutualiser leurs expériences afin de fixer de meilleures orientations en vue de l'amélioration de l'accès des services d'assainissement et d'hygiène dans les pays africains. Ce que nous espérons pouvoir accélérer, c'est par exemple éliminer, éradiquer la défécation à l'air libre. Il faut des initiatives dans ce sens-là parce que c'est une pratique dégradante. Nous allons également accélérer les politiques, les stratégies et les investissements visant à améliorer nos efforts dans le domaine des traitements des matières fécales avec des méthodes plutôt innovatrices. Selon le docteur Canisius, secrétaire exécutif de AMCOI, le progrès dans l'assainissement est effectif en Afrique du Nord et du Sud. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, beaucoup reste à faire. Le Gabon est définitivement engagé à se doter d'une véritable classe d'hommes d'affaires. Le séminaire national de formation sur l'accord de l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, ouvert à l'espace PME lundi à Libreville, vise à former les entrepreneurs à la facilitation des échanges commerciaux. Le reportage de Lydia Tutum.
Prendre connaissance des bonnes pratiques agrégées sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, ratifié en 2016 par le Gabon, réviser le DIPAC et maîtriser son contenu, c'est l'objectif du séminaire de formation qui s'est ouvert lundi à l'espace PME dans la capitale gabonaise. Une rencontre qui intervient après le premier forum de facilitation des échanges à Genève en janvier dernier. Nous avons une obligation multilatérale en tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce, de mettre en œuvre l'accord sur la façon des échanges qui a été signé à Bali en décembre 2013 et qui est entré en vigueur le 22 février 2017 suite à sa ratification par les deux tiers des membres. 4 jours de travaux mis à profit pour accentuer l'intérêt sur les questions de consolidation des acquis, la valorisation des compétences pour préserver les intérêts commerciaux. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui est venue nous apporter son assistance pour mieux comprendre cet accord, pour retenir les bonnes pratiques internationales, pour que le Comité national de facilitation des échanges qui sortira donc de ces échanges puisse être le plus proche possible donc des dispositions multilatérales. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du programme d'appui mis en place par la Conférence des Nations Unies sur le commerce, le développement avec le Gabon comme membre. L'accord sur la facilitation des échanges devrait réduire le coût total du commerce de plus de 14% pour les pays à faible revenu, de plus de 15% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ou de plus de 13% pour les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Depuis plus de 10 ans au Gabon, la bancarisation a fait un grand bond en avant. Allons à la rencontre d'un directeur d'une institution financière qui nous éclaire sur cette activité. Avec Miron Danguet. Dans le monde, environ la moitié des adultes ont un compte bancaire individuel ou collectif, selon la nouvelle base de données Global Findex. Comme on pouvait s'y attendre, il y a une grande différence entre l'activité bancaire dans les pays occidentaux et les pays en développement. Au Gabon, le système bancaire est en nette évolution. Le nombre de titulaires de comptes bancaires a connu une évolution significative ces dernières années. À l'origine, l'arrivée de nouveaux établissements financiers. Nous avons certains portails financiers et dans ce portail financier, nous avons beaucoup d'outils. Ces outils permettent d'accompagner ses clients. Au Gabon, nous avons la microfinance, nous avons le crédit à la consommation, nous avons l'ingénierie financière et nous avons donc la banque, qui est donc la banque des grandes entreprises et des particuliers haut de gamme. Mais cette bancarisation n'a pas que des avantages. Il y a toujours des inconvénients dans tout ce que nous faisons. Mais est-ce que les inconvénients, à partir du moment où vous avez un compte en banque, la première chose c'est de veiller à ce que ce compte-là, d'abord, il est bien garni et que les moyens ou les outils qui sont mis à votre disposition sont bien gardés, c'est-à-dire vos chéquiers, vos cartes. Donc, c'est les éléments qui permettent de bien assurer le risque éventuel. Mais il y a moins de risques, il y a plus d'avantages que de risques en matière de relations avec son banquier. Avec l'arrivée de nouveaux établissements financiers et de nouvelles offres de services bancaires, on compte aujourd'hui plus de 407 000 individus titulaires de comptes bancaires au Gabon. Le Maroc et le Nigeria ont officiellement lancé lundi à Rabat l'étude de faisabilité d'un méga projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Les détails de Sveltana Gladys Magonga. Des responsables du Maroc et du Nigeria ont signé ce lundi à Rabat un protocole d'accord sur l'étude de faisabilité d'un méga projet de gazoduc reliant les deux pays par la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest au cours d'une cérémonie au Palais royal de Rabat en présence du roi Mohamed VI et du ministre nigérien des Affaires étrangères Geoffrey Onyema. Le projet apportera beaucoup d'avantages. Avant tout, il va promouvoir une plus grande coopération interafricaine. Il va créer des emplois dans ces pays. Il va créer un marché très lucratif en Europe. 9 mois supplémentaires seront nécessaires pour l'ingénierie et la conception, à l'issue desquels une décision finale sera annoncée et le projet pourra débuter. Ce gazoduc doit parcourir près de 4000 km et traverser une dizaine de pays pour à terme être connecté au marché européen, selon ses promoteurs qui y voient un modèle de coopération sud-sud. Les gens ont vu aujourd'hui qu'il y a de la crédibilité dans cette action. Il y a moins de 6 mois, c'était une annonce. Aujourd'hui, on lance les travaux de faisabilité avec un échéancier bien clair.
Ces annonces interviennent alors que le Maroc veut intégrer la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria est un pilier et dont le prochain sommet doit avoir lieu en juin au Libéria. Alors en France, où une peine de 800 € d'amende avec sursis a été requise mardi par le parquet du tribunal correctionnel de Nice à l'encontre de 4 retraités de l'association Roya Citoyenne poursuivis pour avoir porté secours à des migrants toujours plus nombreux à tenter de passer la frontière franco-italienne. Larissa Matsumo. René Dahan, Françoise Gaujois, Gérard Bonnet et un de ses amis de Saint-Étienne, Daniel Houdin, avaient été dénoncés le 6 janvier par un riverain alors qu'il transportait 6 personnes venues d'Érythrée et du Tchad, dont 2 adolescents, pour leur éviter d'être contrôlés et les aider à gagner Nice. Ce mardi, une peine de 800 € d'amende avec sursis leur a été requise par le parquet du tribunal correctionnel pour avoir porté secours à ces migrants. La justice se positionne face à l'injustice. Parce que l'injustice, elle est manifeste, elle est dans tous les tournants dans la vallée de la Roya, lorsqu'on voit effectivement ces migrants, et que les gens qui sont effectivement condamnés et mis en garde à vue simplement parce qu'ils aident tout simplement des gens qui sont en grande difficulté et qui plus est sont en France. Donc on est dans un cadre, je veux dire, d'entraide purement humanitaire. Le jugement a été mis en délibéré au 23 juin après que leur avocate, maître Maëva Binimelis, a plaidé la relaxe au nom de l'immunité pénale prévue lorsque l'aide aux migrants ne donne lieu à aucune autre contrepartie qu'un sourire. On n'a pas fait de mauvaises actions, on a simplement voulu aider des migrants qui errent dans nos vallées, qui arrivent de Ventimille à pied, qui sont souvent fatigués et qui ont faim. Bien sûr, je le referai volontiers, et je le referai dès que je trouverai quelqu'un qui est dans ce genre de situation. Je ne le laisserai pas au bord de la route. Et bien sûr, je recommencerai cette chose. Le 31 mars, le préfet des Alpes-Maritimes a été condamné pour atteinte grave au droit d'asile par le tribunal administratif de Nice, saisi du cas d'une famille érythréenne empêchée de demander l'asile. Abidjan et Bouaké, les deux principales villes de Côte d'Ivoire, étaient calmes ce mardi matin au lendemain de l'annonce par le gouvernement d'un accord avec les soldats dont les mutineries ont secoué le pays depuis vendredi. Miguel Mabiga. Les tirs en l'air omniprésents la veille aux alentours des camps militaires à Abidjan et Bouaké ont cessé ce mardi. Les deux principales villes de Côte d'Ivoire étaient calmes mardi matin au lendemain de l'annonce par le gouvernement qu'un accord a été trouvé avec les soldats pour sortir de la crise qui secoue le pays depuis vendredi. À Abidjan, le quartier des affaires du plateau était toutefois loin d'avoir retrouvé son activité habituelle. Beaucoup d'employés et de travailleurs étaient restés à la maison comme le leur avait demandé leur employeur. À Bouaké, la ville semblait reprendre son cours avec plus de boutiques ouvertes que la veille. Les mutins étaient encore en position aux deux entrées de la ville, mais laissaient passer des véhicules de manière normale. Quand tout est rentré en ordre, on nous a dit que tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. Nous, on veut que ça s'arrête là. On ne veut plus continuer. Ce n'est pas nos souhaits. On dit chaque fois, on s'élève et puis maintenant, on tire dans la ville, vraiment. Le ministre de la Défense avait annoncé lundi avoir trouvé un accord, mais sans en préciser les modalités. Cette annonce avait été suivie par des tirs en soirée à Abidjan et Bouaké. Plusieurs mutins se sont montrés sceptiques en soulignant que l'accord s'était fait sans concertation avec leurs représentants. Les mutins avaient alors réclamé 12 millions de francs CFA de primes par personne et obtenu le versement dès janvier de 5 millions. On leur avait promis les 7 millions restants par tranche à partir de mai. Avec le nouvel accord, les mutins pourraient trouver à nouveau 5 millions immédiatement. La Commission européenne menace de lancer les procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne si elle refuse toujours d'ici à juin d'accueillir les demandeurs d'asile venus d'Italie et de Grèce, comme l'impose un plan européen adopté en 2015. Larissa Matsumo. La Commission européenne a menacé mardi de lancer des procédures d'infraction contre la Hongrie et la Pologne si elles refusent toujours d'ici juin d'accueillir des demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce, comme l'impose un plan européen adopté en 2015. I call on Poland and Hungary. J'appelle la Pologne et la Hongrie, qui n'ont pas encore accueilli la moindre personne, à commencer à le faire immédiatement. Depuis le 29 mars 2017, le nombre de réfugiés syriens a franchi la barre de 5 millions, soit environ un quart de la population syrienne, augmentant ainsi la pression sur les pays européens.
Face à l'afflux extraordinaire de demandeurs d'asile en Italie et en Grèce, les pays de l'UE étaient convenus en septembre 2015 de se répartir de manière exceptionnelle jusqu'à 160 000 personnes en 2 ans depuis ces deux pays vers le reste de l'Union. Mais ce plan temporaire, dit de relocalisation censé incarner la solidarité européenne, a surtout illustré des divisions entre États membres qui ne l'ont appliqué qu'au ralenti, voire pas du tout pour certains. Si rien n'est fait avant notre prochain rapport en juin, la Commission n'hésitera pas à utiliser ses pouvoirs en vertu des traités et à ouvrir des procédures d'infraction. La Pologne et la Hongrie sont avec l'Autriche les seuls États membres à ne pas avoir encore accueilli le moindre demandeur d'asile selon les quotas décidés en 2015, manquant ainsi à leurs obligations juridiques et aux engagements pris à l'égard de la Grèce et de l'Italie. En bref, des centaines de passagers ont été évacués de l'aéroport Changi de Singapour à la suite d'un incendie qui a été rapidement éteint mais a provoqué des retards sur plusieurs vols. Selon des autorités et des témoins, de la fumée a envahi le terminal 2 après le déclenchement de l'incendie dans le hall des départs de cet aéroport qui dessert de nombreuses destinations internationales. Les autorités ont alors bouclé les lieux. À présent, je vous propose ce reportage relatif à l'audience accordée par Donald Trump au cher Mohamed Ben Yazed Al Nahyan, l'homme fort des Émirats Arabes Unis, lundi à Washington. Les détails avec Svetlana Gladys Magonga. Le cheikh Mohamed Ben Zahid Al Nahyan, l'homme fort des Émirats Arabes Unis, a été reçu par Donald Trump lundi à Washington. Les États-Unis vont vendre à leur allié du Golfe 160 missiles de type Patriot pour un montant total évalué à 2 milliards de dollars, a annoncé le département de la Défense. Ce contrat d'armement contribuera à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis en renforçant la sécurité d'un allié important qui a été et qui continue d'être une force pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient. La vente de 60 missiles Patriot PAC-3 et 100 missiles Patriot GMT renforcera la capacité des Émirats Arabes Unis à répondre aux menaces actuelles et à venir d'aéronefs et de missiles. Ce contrat ne modifiera pas l'équilibre militaire fondamentalement dans la région, juge encore le Pentagone. Les Émirats Arabes Unis sont un allié des États-Unis, mais les relations entre Washington et les pays du Golfe s'étaient tendues sous la présidence de Barack Obama en raison du timide rapprochement qu'il avait amorcé avec l'Iran. Par ailleurs, les Émirats font partie de la coalition militaire arabe au Yémen, conduite par l'Arabie Saoudite, qui combat aux côtés du gouvernement local des rebelles Houthis, soutenus par Téhéran. Sport football, le dernier rempart de la sélection gabonaise, Didier Ovono Ebon, a décidé de raccrocher les crampons avec l'équipe nationale. La décision parue sur Jeune Afrique fait jaser au sein de l'opinion. Brice Boubala, Hervé Oubian. Âgé de 34 ans aujourd'hui, le dernier rempart des Panthères du Gabon vient de mettre un terme à sa carrière avec l'équipe nationale gabonaise. Une décision qui ne soulage pas l'encadrement technique qui devrait voir entre Bitseki Moto et Famezui qui pourra le succéder. La décision de mettre un terme à sa carrière étonne certains acteurs du monde sportif qui pensent tout de même que cela n'était peut-être pas le moment. 106 sélections, 4 participations en phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, 2012, 2015, 2017, performance à souligner pour ce compatriote qui a vu des vertes et des pas mûrs au sein de cette sélection. Sélection sur laquelle on fonde beaucoup d'espoir. Reste aux dirigeants donc de trouver le digne successeur d'un Didier Ovono Ebon qui, certainement, à l'exemple de Didier Buffon, encore de beaux jours devant lui. Toujours du sport et du football dans cette édition avec la débâcle des Panthères du Gabon face aux Scilly de Guinée, 5-1 en ouverture de la CAN du monde des 17 ans au stade Michel Essongué de Port-Gentil. Ce dimanche, plusieurs questions surgissent, notamment celles au niveau réel de nos ambassadeurs à cette compétition qu'organise le pays. Laurence Bobala. Les Panthéros du Gabon seraient-ils sur le chemin de leurs aînés sortis prématurément de la CAN 2017? La question est au centre des préoccupations eu égard à la débâcle essuyée face au Scilly National de Guinée 5-1 ce dimanche lors du match d'ouverture de cette compétition qu'organise notre pays. Face à cette situation, les opinions sont plutôt mitigées. Sur le plan sportif, quand on essaie de garder le résultat, c'est catastrophique, c'est décevant. Maintenant, c'est de l'apprentissage aussi. Et vous savez que dans notre pays, le plus important pour nous n'a jamais été de gagner ou d'aller loin, mais c'est d'organiser, de participer.
C'est le seul slogan que nous avons pu respecter. Maintenant, l'avenir s'annonce difficile, mais croisons tout de même les doigts en espérant que le Cameroun fasse un faux pas et que on arrive à battre le Ghana. Chose pas impossible, mais je sais que c'est difficile. L'équipe gabonaise des U17 serait-elle en deçà du niveau réel exigé par cette compétition? A-t-elle eu les moyens de se préparer? Le staff actuel dirigé par Pierre Nwumbi est-il compétent pour mener ces gamins à se transcender? Autant de questions qui mériteraient des réponses. Le Gabon était en deçà de la moyenne du match. Le Gabon était en deçà du niveau du football guinéen. Nous avons fait un constat quand même assez amer, surtout dans les petites catégories de l'équipe nationale. Les entraîneurs, les prospecteurs, les coachs ne vont pas véritablement dans l'arrière-pays chercher, n'est-ce pas, cette graine de champion, car il y en a. Logé dans le groupe A, le Gabon qui croisera le Ghana ce mercredi est appelé à faire mieux quand on sait que les Black Stars qui sortent revigorés après leur large victoire contre le Cameroun 4-0 ne seront pas faciles à manœuvrer. Et puis au Ghana, 6 réfugiés sont prêts à faire leur début au championnat du monde d'athlétisme de Londres en août. Les 6 athlètes, 3 femmes et 3 hommes, seront sélectionnés parmi 28 réfugiés qui s'entraînent actuellement au Kenya. Le récit de Lydie Bilantoutoum. Après les Jeux olympiques de Rio en 2016, une équipe de réfugiés sera également en compétition au championnat du monde d'athlétisme de Londres en août prochain. Leur participation aux Jeux olympiques est un hommage au courage et à la persévérance de tous les réfugiés pour surmonter l'adversité et construire un avenir meilleur. Nous entraînons dur pour ne pas passer à côté de l'épreuve du jour J. Notre temps est primordial parce que c'est ce que le monde scrute. Et quand vous réalisez un bon temps, vous pouvez envisager d'aller et de participer à des compétitions dans de nombreux endroits. Le championnat du monde approche, c'est notre objectif. Peut-être que certains d'entre nous y seront. C'est une opportunité pour nous. Ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer à fournir les efforts nécessaires pour obtenir le bon temps. Le nombre de réfugiés aujourd'hui est sans précédent avec près de 63,5 millions selon les dernières statistiques. Ils sont contraints de fuir leur pays pour échapper au conflit et à la persécution. L'équipe espère donner au monde un aperçu de leur résilience et de leur talent inexploité. C'est la fin de cette édition d'information. Voici le rappel des titres. Au Gabon, Libreville, capitale de l'eau et des forêts, une réunion d'experts du Conseil des ministres africains chargé de l'eau et une autre des experts du bassin du Congo se tiennent actuellement à Libreville. Objectif, améliorer l'accès aux services liés à l'assainissement et à l'hygiène et identifier les priorités de la conservation et de la valorisation du bassin forestier du Congo. En Côte d'Ivoire, c'est visiblement le retour au calme après plusieurs jours de révolte des anciens rebelles incorporés dans l'armée. Ils continuent de réclamer des primes et il s'agit d'un calme précaire car certains rebelles ne reconnaissent pas l'accord annoncé par le ministre de la Défense. Et puis en Europe, les pays membres de l'Union européenne sont divisés. Les questions d'accueil et de l'asile des migrants, la Hongrie et la Pologne sont pointées du doigt et risquent des sanctions en France. Des militants sont convoqués devant des tribunaux. Merci d'avoir été des nôtres. Restez sur Gabon 24. L'information continue.